et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le bateau, on est en hiver et on va faire une session verticale je pense. On va plutôt se concentrer sur la verticale. On est sur un lac où il y a beaucoup de petits cendres, donc c'est pas sûr qu'on fasse de gros. On va essayer de faire de la touche, s'amuser dans la journée, faire un maximum de touches, beaucoup en verticale. On est le matin, peut-être un peu linéaire le matin, mais sinon on va se concentrer. Les poissons le matin vont être plus haut dans la couche d'eau, donc moins profond, et l'après-midi je pense qu'ils vont descendre. Après il annonce beaucoup de vent dans la journée, normalement il était censé y avoir beaucoup de vent déjà et il n'y a rien pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça et dès que le vent se lèvera trop, ben on partira. Mais il annonce beaucoup de vent, donc j'espère qu'on aura quand même une bonne matinée de pêche au moins et qu'on va réussir à faire quelques poissons. Allez, c'est parti. Les poissons de façon, normalement ils sont pas profonds. Hein? Je sais pas. Allez, je commence à faire. Je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? J'y mets quoi? Du 5 pouces ou du 4, tu crois, Alexis? Quoi? Je commence avec du 4 ou du 5? Allez. Hein? Hop là, allez, c'est parti. Ça va, il va y en avoir des cannes. Tendu. C'est un perche. C'est un perche. Ah non, tous les petits sont de maillot. Non mais coffret, il m'a foutu des cartouches. Hop là. Voilà. Là on cause. Regarde, coffret. Allez, ouvre la gueule. Voilà. Bon, déjà on a trouvé une bonne indication. Voilà. Coffret. Ça fait quoi, 50? Même pas, 48. Yes. Allez, vraiment mon gant aussi. Au passage, je ne le déchire pas. Voilà. Allez. Plouf là, il est reparti. On a mis une sacoche là. Paf. Donc combien? 5 mètres. Donc le matin, faut pas aller chercher profond. Hein. 5 mètres, tête plombée 17 grammes. Voilà, tête plombée maison. Hameçon VMC, ça pique bien. Allez, on continue. Ah bah voilà. C'est gros en plus. Il est coupé. La patate, hein. Dégagez le verre. Moins profond. Allez, mouille-toi les mains pour avoir bien froid. Il est pas mal lui. Tu veux une petite photo? Yes. Ouais. Je vais jouer. Du sombre comme ça. Les couleurs, les mêmes couleurs de l'eau, ça marche bien. Noir, hein. Marron. Non, mais comme ça, sombre là, ça fait un bon petit contraste. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Ouais, mais le flic il tire moins. Quoi? Le flic il tire moins, je pense que ça devrait passer. Je vais voir. Ah. Oh putain, la manivelle. Tiens, Buggy il est encore au boulot. Bon, attends, la manivelle, je sais pas s'il va pas se dépiquer tout seul. J'ai la manivelle qui a sauté. Il est encore le con.
Oh bah là, niveau perte de tension, je suis au summum. Hein. C'est pitchoun. Ouais, c'est pas piqué franc. Hein. Bon, après, il a peut-être ses décrochés et raccrochés. Ouais, on a trouvé la profondeur. C'est déjà ça. Ouais, je pense que c'est moins vite aussi. Ça joue beaucoup. Putain, mon anti-retour, il t'a sauté comme ça. Ça m'a fait une perruque. Ouais. Bon, petit slick, coloris. Un petit peu plus sombre, naturel. Et on est dans 6 mètres seulement. Et on passe beaucoup moins vite. On va essayer de continuer dans ces... dans ces configurations-là. Oh. Ouais. Il y a quelques échos au fond, quoi. Ouh, c'est plus gros. Ouh. C'est correct. Ouais, c'est correct. C'est un sang, il est correct, tu vois. Il est grave correct, lui. Si c'est pas un si dur, c'est un beau, beau sang. T'as plus si dur, c'est gros sang. Gros sang. Gros, 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 gros sang. J'ai encore. Big Zender. Big Zender. Ah lui, le poche le pète. Il fait pas loin de 80. Hein. Je pense qu'il y a 80. Oh oui. Oui. Yes. Ça va pareil. Léo nous a fait un petit cendre. Un petit cendre, voilà. Un petit cendre comme on les aime. Sortir la réglette. Ah oui. On va le mettre. Yes. Hop. Hop là. Eh, pas loin des 80, il n'est pas à 80 mais... De temps en temps, non ? Oui, de 1 cm et demi. Allez. J'ai une petite photo. Yes. C'est bon ça. J'adore ça. Et là tu vois l'endroit, il y a des échos ici, regarde. Et on a pris des touches, t'as vu sur la longueur? On a pris quoi? 6 touches? Donc là, après avoir cherché pendant un moment, les seuls poissons qu'on a pris c'est dans 5-6 mètres. Donc on va essayer de faire pire passage, l'eau est vraiment trouble, du coup les poissons se retrouvent vraiment pas profond. On va essayer de passer dans 5-6 mètres. Coloris... Parce que le seul truc qui a marché, c'est plutôt entre guillemets naturel ou blanc. Donc on va continuer avec ça. On va essayer de voir ce que ça peut donner en restant dans des profondeurs assez faibles, malgré qu'on soit en plein hiver. Mais comme l'eau est trouble, les poissons sont pas profonds. On dit. C'est pas gros. Ouais, tu les vois là. On les voit à l'écho. Oh, c'est une perche. Une belle perche. Ouais, je peux tenter. Une belle perche en vertique. Tac. Voilà. Allez hop. Oui, cette zone, ça se fait en linéaire aussi. Ouais. C'est en noir. Regarde cette couleur, t'as vu? C'est en noir. Et le petit slick. Petite perche. Il y a beaucoup de zébreux là où c'est moi. Je la mets à l'épuisette. Si tu veux voir s'il n'y a pas quelques perches. Allez, à l'épuisette pour. Okay.
hein, décroché. Ouais. Ouais. Mmh. Eh, hey, la perche. Mmh. Elles le veulent ce coloris. Hein. Mmh. Les perches. Hein. Elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont belles. Ouais. Mmh. Elles s'arrêtent pas. Yes. Ouf, là. Et vraiment ce coloris, elle aime bien. Hein. Mmh. Salut. Mmh. Ouais, ça. Je pense, ou perche, je sais pas. Coffret. Ouais, peut-être du marron, couleur de l'eau. C'est coffret de chez coffret. Il est au fond. Il faut lui faire ouvrir la gueule aussi maintenant. Ah bah le escape, il dépasse pas là. Tac. Ah là, le petit escape. Il marche toujours si bien celui-là. Quand même beau petit poisson vertical. Et on passe lentement. Enfin on passe lentement. On va pas très vite là. Bah voilà. Bah il y est. Et ça rentre vite là. Hein. Et puis zette. Voilà. Bah tu vois, il l'aime aussi. Hein. Ouais. Et de 10. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Vas-y. Ouais. Ah, oh, décroché. J'espère qu'il se casse tout court. T'es pas sérieux. En tournant, quoi. En tournant. Il est pitué, lui. Ah bah là. Ah bah oui. Il est pas gros, ouais. Mais coffret, sec. Ouais. Ah bah voilà, un autre petit pitchoun. Ouf. Il n'y a pas de vent. Là, c'est agréable, là. Ouais, c'est clair, que demander de plus? Plus dur, ça va être de partir si ça continue comme ça toute la journée. Ouais, là, c'est bon. Là, j'ai pas envie de... c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Non, c'est pas gros là, la taille moyenne par contre. Mais c'est coffret de chez coffret. Allez hop. Allez. C'est encore plus chouette. Ah, c'est plus gros quand même. Ouais, ouais, 42, 43. Hein. Il est dans le dur, hein. Voilà. Là, tu le montres. Hop là. Allez, voilà. Pusette. Ça se défend. Ouais, c'est celui que j'ai vu là au fond. Ouais. Le moteur là, après j'ai descendu, il m'a pris à hors de ça. Ouais. Hop. Le petit cendre. 14.
Ah voilà. Une maille en plus, lui. Non ? Oh putain. Ouais, il était pas mal, lui. Je pense que son mode chauffeur est un peu cuit, hein. C'est un peu noir. Hein. Ça se tente, hein, ça se tente, hein. Il avait perche en vous. Ouais, il vient d'en décrocher. C'est pitchoun, hein. Ah, quoique, c'est de fond. Hop. Quel coloris vous voulez faire, ça, là ? Là, blanc. Et tout à l'heure, c'était du naturel. D'accord. Hop. Allez, le 16e. Quelle profondeur là, 7. Ah, quand même. C'est tout propre. C'est tout propre, lui. Perche aussi. Perche ? Ah non. Il me semble. Et puis jette ou pas ? Ouais. Coffre et ventre. Ouais, coffre. Voilà, bleu. Bien joué. Ah là, il est rentré. Hein. Ah, quand il ferme la gueule. Hein. Yes, un joli petit poisson. Je vais le glisser. Ah oh. Hein? Peut-être les chercher à 8. Hein. Je pense que c'était une perche. Après c'était pas franc. Hein. Quoique avec le soleil qui revient, j'ai bien envie de repasser naturellement. Je repasse au slick. Hein. Vous en essayez de bombarder ou quoi ? Comme tu veux. Ouais. On peut. Ça a l'air de marcher. C'est correct. Hein. Ouais, ouais, et puis hop. C'est pas énorme. Ah non, c'est repas. Ok, comment tu as fait, toi ? Hop là. Oh ! Tu te boites ! En remontant l'heure. Ah lui était gros quand même, lui était beaucoup plus joli. Oh, je jure sur la canne on va le voir, ça fait... C'est du schiste. Waouh. Pas de suite. Il reste une taille, il reste 15 cette taille. Ah bon? Ah t'as perdu l'autre? J'ai perdu l'autre. Putain, les slicks franchement faudrait qu'on en prenne plein. On est paquet. Non, il n'y a pas de paquet. Tu vois que le soleil est... c'est fou hein. Nuage blanc. Soleil naturel. Oh! Le bois qui m'a mis lui. Il est plus court avec lui. Il est plus correct. Non. Lui est maillé. Le 20e est maillé. Hop là, décroché. Parfait. Il m'a mis une cartouche par contre, lui. Paf. C'est coloré, hein. La taille, c'est l'or, mais... Ouais, le coloris, la taille.
Et le 21ème. Ah oui, c'est coffré sec. Ça c'est avec le soleil. J'ai chié d'avoir perdu ce petit truc là. Allez, ouvre la gueule. Aïe, 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 il y a une dent. Allez, rends-moi ça. Aïe. Je veux pas me le rendre. Hein. Allez, hop là, voilà. Encore un joli petit cendre. Le 21ème. Bah voilà. Une pitié. C'est coffré quoi. C'est, ouais. C'est vraiment la couleur. Hein. C'est la couleur. Hein. Le bleu, côté bleuté là un petit peu. Ouais. Le 22ème. Et la taille aussi parce que c'est raptor. Ouais. Quoi. La taille. Elle y fait beaucoup la taille. Après je viens de mettre de la tracteur aussi. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Un poisson au fond. Allez. Ah bah voilà. Il était là. C'est le dernier, c'est le seul coloris que t'as. Tu veux que je t'aide? Ah, c'est bon. Faut qu'on va un poil vite, moi. Tout à l'heure, les touches elles étaient un peu plus lentes. On était plutôt à 1 km/h que 1,2 ou 1,3. Ah. Il est loin, non? Ah, il est loin. Je sais pas, j'ai ralenti. Ouais, je pense qu'il faut être à 1. Ah, ça maille, hein? C'est encore coffré. Hey. Lâche. Yes. Ouais. T'étais avec le gros. Ouais. Ah, décroche. Ah. Bah, c'est pas un si dur ça. C'est joli en plus. C'est joli hein. T'as un peu de gros fou 7 mètres. Ah, quoi? 26ème. Ouais, j'ai un petit poisson. Poisson. Il m'a ramassé sur le fond, décroché. Il m'a ramassé sur le fond. Pendu. Coffrage. Hein? Coffrage. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop là. Ah non, par contre tu me le rends expressément. Allez hop. Hop là. 27. Dieu. À décrocher. Ah! C'est plus joli. C'est plus joli. Épuisette, 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 épuisette. Voilà. Ouais, ça maille, ça large. Voilà, un beau poisson.
28, il en manque 2. Et t'as vu 3 touches en 10 mètres. Il faut passer la pointe pour avoir de l'eau. Bon voilà, fin de cette journée de pêche qui s'est révélée plutôt pas mal. On finit à 28 poissons, 4 perches et du coup 24 cendres. C'est vraiment pas mal en vertical. Au début on les a cherchés trop profond, au final il fallait les chercher assez peu profond avec l'eau trouble. Les cendres ils étaient dans quoi, la plupart 6 mètres, 6-7 mètres. Bon allez, entre 5 et 8, voilà, et c'est ce qu'on a fait à la fin, et ça a bien payé, coloris plutôt naturel quand il y avait du soleil, et dès qu'il y avait moins de soleil, plutôt du coloris blanc pour casser un peu avec l'eau, et ça a bien payé, mais des zones où on, vraiment, il y a des moments, des petites périodes où on enchaînait 3 poissons, 4 poissons en un rien de temps, c'était vraiment, vraiment sympa, on s'est bien amusé, j'espère que vous aurez appris des trucs et que vous avez bien apprécié cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.